Je suis très très fier aujourd'hui de participer à la journée d'aujourd'hui et moi-même en tant qu'élève d'Africa Math, je l'ai toujours été, je suis fier vraiment de participer à la journée d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs c'est quoi la journée d'aujourd'hui? Voilà. D'abord, la journée d'aujourd'hui c'est d'abord une reprise après mes soucis de santé, d'accord, c'est ce qu'il faut que je noterai en premier, puisque après avoir subi un AVC, après avoir subi de peu une noyade, donc c'était en fait un bol d'air et le retour vers les frères et sœurs, donc c'est d'abord ce qu'il faut noter. Okay. Ensuite, j'ai tenu à, dans cette reprise, à parler des 42 commandements de la Mahat, parce que j'ai constaté que souvent on cite les 42 commandements de la Mahat, c'est-à-dire la confession négative, mais sans jamais trop en parler. C'est-à-dire on montre comment c'est traduit en français, en fait on montre le texte en français, mais il n'est jamais démontré le vocabulaire, la grammaire et l'explication de tous les mots qui se trouvent dans chaque commandement. Il faut savoir que ces commandements de la Mahat, ces 42 commandements de la Mahat ont été faits des millénaires avant les 10 commandements de la Torah. Tout à fait. Donc nous pouvons être fiers parce qu'il faut, je le dis en passant, que ce soit la notion de l'âme, que ce soit la notion de la résurrection, de l'éternité, etc., de l'eau bénite, qu'ils disent l'eau bénite, on dit l'eau sacrée, etc. Tout ça, ça vient de Kemet. Parce qu'ils ont dit que les Noirs n'avaient pas d'âme, mais non, c'est faux, puisque la notion d'âme, elle vient des nègres de Kemet. Donc pour moi, c'était très important de reprendre ce cours en parlant des 42 commandements de la Mahat. Et c'était une façon aussi de faire une démonstration qui, à ma connaissance, n'a jamais été faite en rentrant dans le texte, en traduisant, en donnant la transitération, la grammaire, le vocabulaire. C'était important pour moi. Maintenant, la pesée de l'âme, bien sûr, la pesée du cœur conscience, puisque d'un côté vous avez le cœur, de l'autre côté vous avez la plume Mahat, qui est par définition très légère. Et la pesée consiste à, il faut qu'il y ait l'équilibre, ou bien que le cœur soit plus lourd, le cœur conscience, hein, le hib soit plus lourd que la plume. Parce que l'inverse, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que la plume soit plus légère que le cœur. Non, c'est pas possible que le cœur soit plus léger que la plume. Que la plume soit plus lourde que le cœur. C'est pas possible.
Donc, alors vous avez le défunt qui arrive accompagné de, d'une époux, c'est-à-dire Anubis. Donc, une époux qui accompagne le défunt. Donc, c'est comme si c'est du cinéma. En fait, c'est étape par étape. Vous voyez, vous avez Amoud qui est là, qui est la grande dévoreuse, qui va dévorer le cœur si la pesée n'est pas positive. Donc elle va dévorer votre cœur conscience et vous allez subir la seconde mort. La seconde mort, vous allez retourner dans le noun, le néant, le noun. Vous allez retourner dans le noun si, voilà. Donc ici, vous avez Tioti, donc Tot, qui inscrit le résultat, tout ce qui se passe, hein, il inscrit le résultat de la pesée, etc. Vous avez Oru qui accompagne le défunt qui est là, qui accompagne le défunt, si c'est positif, hein, qui présente à Osiré, et derrière vous avez Aseta et Nebet-Ut, c'est-à-dire Neftis. Et vous avez ici les quatre fils d'Oru. Donc les quatre fils d'Oru, d'accord, Amset, Kébé, Senouf, Duhamotef et Api, voilà. Donc ensuite, vous avez le défunt qui se représente devant les 42 juges. Alors là, vous n'avez pas tous. Voilà, vous les avez pas tous. En fait, sous le papyrus, il y a tout. Mais sur le détail, vous montre ce détail-là, c'est simplement une partie. Alors, vous avez les 42 Upu, c'est-à-dire les 42 juges Upu dans le Tchadjat. Le Tchadjat, c'est le tribunal. Donc, les 42 Upu dans le Tchadjat. Donc, les 42 juges dans le Tchadjat. Alors, bien sûr, je ne les ai pas tous mis. Vous avez ici 12. Et les 12, alors d'après les hiéroglyphes même, on peut les lire pour savoir qui. Donc ici vous avez Ré, O, Acti, vous avez Atum, vous avez Chou, vous avez Tefnout, vous avez Geb, vous avez Nout, vous avez Aseta, alors vous en avez deux, vous avez Aseta et Nemet Out, c'est-à-dire Isis et Neftis, vous avez Oru ici, vous avez Hathor, Ut-Or, attends, et vous avez Sia et Ou. Ou qui représente en fait le verbe, et Sia qui représente la connaissance. J'ai fait aussi un petit rappel sur les origines négro-africaines de la civilisation pharaonique, parce que, comme je disais pendant le cours, c'est comme un fauve, un lion, il urine en fait sur... autour de lui pour montrer sa propriété. Et moi, quand je reprends les cours d'Africa Math, je veux toujours absolument refaire ce cours, les origines nègres de la civilisation pharaonique. Je fais de façon à ce que les gens soient avertis pour que les contradicteurs puissent venir. Et à chaque fois, c'est pareil, personne ne vient. Donc, je dis après, bon, on passe à autre chose, on passe à autre chose, on peut dire autre chose. Parce que le moment où il faut venir, ils ne viennent pas. D'accord. Donc, nous avons affaire. Alors, j'ai vu bientôt, même les cahiers de sciences et vie sortent bientôt quelque chose sur 10 le berceau de la civilisation, l'Égypte. Oh. Je vois que les choses avancent. Donc, espérons un jour que. C'est pas que je cherche leurs médias, mais espérons un jour qu'ils auront le courage d'inviter les gens comme moi pour parler sous plateau de télévision et puis pour dire la vérité. Si. Mais je ne suis pas certain que ça se fasse. Moi, c'est Lorela. D'accord. Armand, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet endroit et de l'événement d'aujourd'hui? C'est très intéressant de pouvoir avoir des cours spécifiques donnés par un professionnel, en fait. Parce que c'est ce que je disais à Armand, on a beaucoup de personnes maintenant sur les réseaux qui propagent beaucoup d'informations. Et là, on a vraiment quelqu'un qui a écrit les livres, qui a cherché des informations. Et vraiment, on a vraiment la vérité. On ne se mélange pas, c'est clair, concis et c'est historique. Voilà. pour compléter avec les sources. Exactement. Ça nous permet nous-mêmes de faire nos propres recherches. Exactement. C'est ça, ils vont dire, vérifier l'information. C'est la première fois que vous venez à Africa Math? Oui, c'est la première fois, oui. D'accord. Et vous avez bien sûr l'intention de vous inscrire? Oui. Oui, bien sûr. Okay. On va continuer, on va réitérer, on va s'inscrire. On va apprendre le médounéter. Ok. En tout cas, merci ma soeur, merci mon frère. Merci. Très intéressant, très instructif, et on rigole bien. Donc, merci beaucoup. Très
cet événement. C'est très bien. Ah, pardon. Non, non, non. Journée superbe. Eh ben, je la recommande vraiment à venir. Pour l'instant, ça se passe vraiment parfaitement. Donc, voilà. Est-ce que vous connaissiez Africa Mat avant? Pas du tout. Ah, comment vous avez entendu parler d'Africa Mat? Ben justement, j'en discutais. Moi, c'est via les réseaux sociaux. Voilà, donc à Instagram, en fait. Je suis tombée sur la page. Je crois que j'ai dû voir. C'est l'Afrochronique qui avait partagé la slide. Et du coup, Ok. Oui. C'est les réseaux sociaux aussi. Donc, oui, exactement. On ne voit pas la bouche. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai envoyé un mail, on m'a répondu, et me voilà. Donc c'est aussi simple que ça. D'accord. Et est-ce que, par rapport à ce que vous avez appris aujourd'hui, est-ce que ça vous donne envie de vous inscrire, etc. Je commence par vous. Bien sûr, comme on a un enseignement de qualité, c'est intéressant et c'est plus facile que d'avoir à lire des livres qui sont parfois très très compliqués pour des personnes qui ont pas la formation pour, en fait. C'est une bonne occasion en fait d'avoir, je dirais pas une vulgarisation, mais une facilitation à ce niveau-là pour en apprendre plus sur le racisme. Okay. Et vous, je comprends pas. Bah, ouais, ça me donne envie de venir ramener des gens, surtout. Donc, leur dire, en tout cas, pour les premiers moments, encore dans les premières heures. Et bien sûr, de venir aussi m'inscrire, ouais, tout à fait. Donc, je leur dis de venir. Merci. Bienvenue à Africa Mat et j'espère vous revoir dans 20 ans. Ok, okay. En tout cas, merci beaucoup. Et j'ai envie que de vous poser la une dernière question. Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, c'était la rentrée, oui, d'Africa Mat. Et justement, est-ce que vous vous adressez aux internautes, justement, leur informer, oui, donc de qu'est-ce que vous pensez justement de cette rentrée, de ce retour d'Africa Mat, et comment les intéresser justement à adhérer? Oui, chers internautes, oui, je te remercie de me donner l'occasion de dire ça. Mmh. Je crois que dans le monde où on vit, je crois qu'il est important de retourner vers notre source, mmh, vers nos ancêtres. Et je crois que c'est le seul moyen de se sortir, en tout cas le moyen, je crois, le plus fort de se sortir de cette spirale infernale qui est la France-Afrique, mmh, qui est le pillage de l'Afrique, mmh, le franc CFA. C'est d'accorder nos cerveaux sur Kemet, mmh, et de montrer que nous avons été le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, mmh, le berceau de la spiritualité. Si je suis sûr, je suis certain que si la majorité des gens, même pas la majorité, mmh, était d'accord avec nous, ça fait longtemps que l'Afrique se serait débarrassée de ses colonisateurs. Mmh. Il est très important que le cerveau soit nourri de vérité pour qu'on puisse chasser les colons, mmh, pour qu'on puisse avancer et faire la renaissance africaine. C'est pour, mmh, cela que nos cours sont importants. Il ne faut pas croire que c'est juste pour parler des médunitaires, qui sont d'ailleurs merveilleux. Mmh. C'est pour aussi montrer que nous avons été grands. Mmh. Et si nous avons été grands, nous pouvons redevenir grands. C'est cela, en fait, mmh, le message fondamental que je veux donner, mmh, aux frères et sœurs qui nous regardent. Bah, c'est Ankoudja Seneb. Ankoudja Seneb, mon frère, je te remercie. Merci. Merci, frère.